Good morning, allez, Idan, les tissus aujourd'hui, les Nishmat, Avram Chayin Orber Ben Fortune Mazal, Rachamim Ben Rosa, et Idida Ben Esther, si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, quand il y a la sagonnette éternelle, nous étudions Maseret Erchin, Perek Bet, Mishnah Gimel. En Pochatin, mi Esrim Echad Kiyot Ben Migdash, velo yu Mosifin, al Arbaim Ushmone. En Pochatin, Mishnah Nevalim, velo Mosifin al Shisha. En Pochatin, Mishnah Khalilin, velo Mosifin al Shemassar. ובשנמעשה היום בשנה חליל מכה לפני המזבח, בשחיטת הפסח ראשון ובשחיטת הפסח שני, וביום טוב ראשון של פסח וביום טוב של עצרת, ובשמונת ימי החג. ולא היה מכה באבוב של נחושת אלא באבוב של קנה מפני שקולו ערב, ולא היה מחליק אלא באבוב יחידי מפני שהוא מחליק יפה. Depuis la première משנה du פרק, on a déjà dit, on parle de sujet où la Torah l'a fixé, on a des limites supérieures et inférieures. On est en limite entre deux bornes, des intervalles, toutes sortes de sujets. Donc du coup, on fait passer un petit peu plein de sujets à tort à travers. Dès qu'on va retrouver cette notion-là, on a parlé de Nida, on a parlé de lèpre, on a parlé de jeter à l'échem et des corbanotes, des douze pains, on a parlé de toutes sortes de choses, du Brit Mila, hier on a parlé aussi. Et à présent, on va parler dans notre Mishnah maintenant, on va se concentrer sur la musique du Beth Amikdash, ou ça inclut aussi les sons du chauffard. Et la Mishnah commence en disant En pochatin mesrim ve'achat tkiyot b'amikdash. Au Beth Amikdash, par jour, il n'y avait pas moins de 21 sons de chauffard, ve'lo mosifin al arba'im ushmoneh. Et on ne pouvait pas atteindre plus que 48. En réalité, ce n'est pas exact, parce que parfois, il y a un jour, selon une configuration relativement rare, où on pouvait atteindre les 75. On explique très rapidement. Tout d'abord, lorsqu'on te demande de sonner du chauffard au Beth Amikdash, alors ça implique trois sons. Tkia, Troa, Tkia. D'accord? Le tout et tout. D'accord? Trois. Maintenant, à 7 reprises par jour, dans un jour constant, classique, il fallait déjà à 7 reprises sonner donc trois sonneries du chauffard. Donc c'est déjà 7 fois 3, 21. Quelles sont ces 7 reprises? Tout d'abord, lorsqu'on ouvre les portes le matin. On avait peur du Beth Amikdash, on sonne le chauffard, premièrement. À part ça, lorsqu'on va porter le Korban Tamid. Quand on apporte le Korban Tamid, les Lévim chantaient le Shir Shalyom, comme ce que nous on fait après la Tfila. Shir Shayu Alevim Omrim Aladuchan. Chaque jour, il y avait un Shir différent. Ce Shir-là, c'était un Shir, c'était chanté au Beth Amikdash. Et il était coupé en trois morceaux, chacun. Trois morceaux. Et après chaque morceau, alors, on sonnait avant chaque morceau, on sonnait d'abord du chauffard. Après, les Lévim commençaient à chanter. Après, on s'arrêtait. On faisait la deuxième partie. On sonnait le chauffard. On commençait la deuxième partie. Et idem pour la troisième partie. D'accord? Donc, ça fait. Et maintenant, on a deux Korban Tamid par jour, le matin et le soir. Donc, ça fait que pour le moment, on a donc les 7 reprises d'ouverture des portes. 3 fois pour le Korban Tamid du matin, 3 fois pour le Korban Tamid chez le Ben Arbaim. Ça, c'est un jour classique. Maintenant, à Sukkot. Alors, à Sukkot. Il fallait faire la voda du Nisur Hamaïm. Vous savez c'est quoi le Nisur Hamaïm? On a déjà, je sais pas si on a déjà eu l'occasion d'en parler, excusez-moi, ça ne me dérange pas. Le Nisur Hamaïm, c'est, il fallait faire une verser du vin, de l'eau sur le Misbeach. De manière générale, on apportait des oblations de vin sur le Misbeach. Il y avait sur le Misbeach, il y avait deux trous, les chitines, là-bas il fallait verser du vin. Et à Sukkot spécialement, il y avait une avoda de verser de l'eau. Pour aller chercher puiser l'eau, alors il fallait faire ce qu'on avait, il y avait la Simchat Bet HaShoeva. Simchat Bet HaShoeva, c'est la joie qu'il y avait au Bet HaShoeva lorsqu'on partait puiser l'eau. Il fallait là-bas à 3 reprises, ça faisait plus précisément, il y avait en fait, en tout on arrivait à 12. À 12 reprises, sonner 3 fois du chauffard, donc vous allez faire 12 fois. Non, ça fait 12 en tout, plutôt. Et ouais, c'est ça, ça fait 12 en tout, d'accord? Donc sur les 21, vous rajoutez 12, on est déjà arrivé à 33. Ça fait comme ça, au fur et à mesure, il y avait quelqu'un qui portait une cruche pour aller puiser l'eau, et il devait descendre, et selon chaque fois qu'il arrêtait, il descendait une première série d'escaliers, et on s'arrêtait, on chantait, il y avait une grande joie, c'était la grande fête, c'est extraordinaire, tel que la Gemara raconte dans Sukkot, en Souka. Donc, il y avait déjà 12 fois. À part ça, lorsqu'on rapportait l'eau, on faisait ensuite la mitzvah avec la harava. Il fallait prendre des grandes feuilles de harava. Au Beth Amikdash, c'était tous les jours. On fait ça que le 7e jour, le souvenir. Et au Beth Amikdash, il fallait mettre de nouveau. Alors là-bas, il y avait encore une autre fois supplémentaire. Donc ça faisait 3. On atteignait les 12. À part ça, pour le Nisur Hamaim, il y avait aussi un chant spécial qu'il fallait chanter. Je suppose que c'est probablement le chant que nous, on continue à chanter à Sukkot.
Mais c'est différent entre les Sfaradim Ashkenazim, je ne sais pas exactement qui a la. Je ne sais pas, j'ai pas étudié le sujet pour savoir comment, quelle transmission on a exactement sur ça. Donc à la base, ça nous faisait 3 supplémentaires. Donc on était à 33, vous rajoutez maintenant 9. 9, ça va vous faire donc 42. Et il nous manque encore, je pourrais atteindre les 48, il nous manque 2 fois 3, c'est très simple. C'est que parfois, Soukhot, lorsque Soukhot tombait la veille de Shabbat, alors tous les vendredis, à l'approche du Shabbat, on sonnait deux fois du shofar. Une première fois pour avertir les gens que Shabbat arrivait, pour que les gens arrêtaient le travail chez eux, leur activité, pas chez eux, leur arrêtaient le travail au travail pour commencer à se préparer. Et après un certain temps, on sonnait une deuxième fois du shofar pour cette fois-ci leur dire ça y est, on arrive maintenant le travail et tout le monde arrêtait de travailler au même, de produire tout travaux interdits de Shabbat. Donc là, comme ça, on atteint les 48. D'accord? C'est ce que la Mishnah m'enseigne. En pochatin. Donc, on y aura aucun jour où il y aura moins de 21 et plus que 48. En réalité, il y a un cas de figure où il y a bien plus que ça. Et là, ça atteint les 75 parce qu'ils vont rajouter encore 57. Ça devrait diminuer ceux du Shabbat. Et à la place, vous remettez les 57 plus 21 en fait. Je ne sais pas exactement. Je n'ai pas fait le calcul. Je ne suis pas en condition pour le faire tout de suite. En tout cas, il fallait rajouter les 57 fois spécifiquement sur quoi? Ouais, c'est normal qu'il y avait plus parce qu'il y avait aussi le corban du Shabbat. Il y avait lorsque Shabbat tombe veille de Pessah. Alors là, pour apporter le corban de Pessah, c'était la grande fête de Beth-Amigdash, il fallait apporter en 3 groupes. Tout l'âme Israël rentre en 3 groupes durant l'après-midi. Et chaque fois là-bas, les Lévites devaient chanter le Hallel. Et lorsqu'ils chantaient le Hallel, de nouveau, ils ressonnaient plusieurs fois du shofar, selon le rituel. Et la Mishnah de la Gemara explique que, étant donné que c'est une configuration relativement rare, alors la Mishnah ne l'a pas évoqué. Ok, on passe à la suite maintenant de la Mishnah. Maintenant, on va parler des instruments du Beth Amikdash. Lorsque les Lévites chantaient le Hallel ou le Shir Shalom au Beth Amikdash, alors ils étaient accompagnés d'instruments de musique. Et ces instruments de musique, c'était assez libre en fait pour ajouter, en mettre plus ou un peu moins selon le chef d'orchestre du Beth Amikdash. Je ne sais pas s'il existait, mais j'imagine que oui. Et alors, la Mishnah enseigne En Pochatin Mishne Nevalin Velo Mosifin al Shisha. Et j'ai aussi la phrase d'après, Nporatin Mishneh Khalilin, Velo Mosifin al-Shnemasa. On te parle ici de deux instruments de musique, vous savez, comme dans un orchestre. Il y a certains instruments de musique où il n'en faut qu'un seul. Vous imaginez la batterie, il faut qu'une seule batterie, deux batteries dans un orchestre, ça va être la foire. D'accord? Il y a souvent des instruments où ce sera au contraire plus harmonieux d'en avoir plus, et deux instruments, ce sera harmonieux d'en avoir au contraire un, voire deux maximum. Par exemple, dans la guitare, parce qu'on a la guitare d'accompagnement et la guitare des solos, mais en tout cas, on n'aura pas de personne qui va faire un solo en même temps. Alors, à l'époque aussi, ça se passait aussi comme ça au Beth Amikdash, il y avait ce qu'on appelle le Nevel. Alors, c'est un grand problème de savoir c'est quoi exactement le Nevel. En hébreu moderne, le Nevel, c'est la harpe. Et du coup, le kinor, c'est devenu le violon. Ça, c'est en hébreu moderne. Mais dans la Torah, c'est pas ça. Le kinor, c'est la harpe. David, il faisait de la harpe avec le kinor. Et le Nevel, c'est aussi un instrument à cordes. Mais c'est pas clair, on sait pas exactement c'est quoi comme instrument à cordes. C'est pas la harpe, donc en l'occurrence. Et ça pourrait être plutôt, je sais pas exactement. Le Tiver d'Israël, il rapporte un mot en yiddish, pialin. C'est vrai que le piano, c'est un instrument à cordes. Vous voyez, quand on appuie sur le bouton, il y a derrière, dans la queue, il y a ça frappe une corde. C'est un instrument à cordes, il y a aussi une caisse de résonance. Je sais pas exactement qu'est-ce que c'est. Il y a des cordes avec une caisse de résonance, je sais pas exactement comment, à quoi ça se joue. Peut-être qu'il y a aussi un truc chez les Écossais, là, comment ça s'appelle, la cornemuse, je crois aussi, c'est aussi un instrument à cordes. Enfin, avec du souffle, je sais pas. Enfin bref. Peu importe, en tout cas, il y avait un instrument qui s'appelle le Nevel. Tu vas en mettre En Pochatin Mishne. Alors, En Pochatin Mishne Nevel, t'en mets pas moins que deux par groupe de Lévim qui vont faire de la musique au Beth Amikdash pendant qu'ils vont chanter. Il y en avait au minimum deux, Velo Massivin al-Shisha, mais pas plus que six. Et par contre, pour les flûtes, En Pochatin Mishne Khalilin, t'en mettras pas moins que deux. Ouais. Velo Mosifin al-Shnemasar, tu n'en rajouteras pas plus que 12. Pourquoi tu n'en rajoutes pas plus que 12? C'est lié à la phrase d'après. C'est pour faire un remèze en fait que au Bishnemasar Yom, Bashana, et Khalil Makelifna Misber. Et 12 jours à l'année, il y avait la flûte qui jouait devant le Misber. Entre parenthèses, on dit toujours Léakot Bachalil, frappé sur la flûte. Parce qu'en fait, c'est intéressant, on joue pas de la flûte, mais on frappe sur la flûte parce qu'on a les doigts qui bouchent les trous, donc on frappe. C'est comme ça s'appelle la côte Bechalil. En tout cas, devant le Misbéar, il y a un petit Ferdinand qui parle, qu'il y avait des flûtes tous les jours, mais ce jour-là, c'était spécialement devant le Misbéar, ou bien non, tous les jours, il n'y avait pas de flûte, sauf durant ces 12 jours. En tout cas, et donc, il s'avère que l'instruction de la Mishnah d'avant, qui m'a dit de le faire soit 2, soit 12, ce sera que pendant ces 12 jours, comme ça, apparemment, ça sortira de tout saut.
En tout cas, que pendant 12 jours, tu joues de la flûte. Pendant 12 jours, il y a spécialement de la flûte au Batamikdash. Qui sont ? C'est quoi ces 12 jours ? En fait, c'est très simple, c'est les 12 jours où on dit le Hallel entier. Il n'y avait pas Hanouka à l'époque du Batamikdash, au moins, on dit du Batamikdash Sheni. Il n'y avait pas Hanouka encore. Il y avait, donc les 12 jours où on faisait le Hallel, c'était quoi ? Le Hallel complet. Ben, c'est simple, c'est le premier jour du Pessah. C'est à Shavuot. Rosh Chodesh, pas du tout, parce que c'est Hallel pas complet. Et c'est aussi. Il n'y a pas de Hallel à Rosh Hashanah. Il nous reste quoi ? Il nous reste. Ah ! Il y a un autre jour supplémentaire, celui qui manquait. C'était le Pessah Sheni, chose qu'on ne fait plus à notre époque. Mais à l'époque du. Donc, le jour où on apporte. Donc, je reprends. Et le jour où on apporte le Pessah. Le jour où on apporte le Pessah, c'est pas à Pessah. C'est le Korban Pessah, c'est le jour d'avant. On jouait de la flûte. À Pessah même, le premier jour. Le jour du Pessah Sheni, le 15 Iyar, où là-bas, de nouveau, on faisait le rituel du Korban Pessah pour celui qui n'avait pas pu apporter pendant la première fois. Donc, il fallait nous faire mettre du Khalil. À Shavuot, et vous rajoutez les 8 jours de Sukkot. Et comme ça, on atteint les 12 jours. D'accord ? C'est ce que la Mishnah enseigne. Donc, 12 jours à l'année, la flûte joue devant le Mizbeach. Bishritat Pessah, donc lorsqu'on égorge le Korban Pessah Rishon, Bishritat Pessah Sheni, lorsqu'on égorge le Pessah Sheni, et maintenant on compte les Yom Tov. Ou Yom Tov, le Shanshel Pessah, le premier jour de Yom Tov de Pessah. Ou Yom Tov, Shalat Seret, le jour de Yom Tov de Hatseret, de Shavuot. Ou Bishmona, Yemeh Achag, et les 8 jours de Sukkot. Maintenant, la Mishnah me donne quelques instructions si déjà on parle des instruments. Alors, sur les flûtes spécialement. C'est la flûte. C'est plus précisément, c'est pas la flûte, c'est le bec de la flûte. Et il fallait pas jouer avec un, il fallait pas faire ce bec en échochette, en cuivre. Et là, be'avouv shel kané. Il fallait le faire en kané, en roseau, en bois. Le bois, ça fait sortir un son mi-pénèche et colo arev. Parce que son, il est beaucoup plus harmonieux lorsque la flûte, elle est en bois, plutôt qu'une flûte en métal ou en cuivre. Velo haya machalik ela be'abuv yechidi mi-pénèche ou machalik yafé. L'achlik, c'est partir en solo. Lorsqu'on a fini la Mishnah, lorsqu'on a fini le chant de Nevi'im, alors c'est comme fréquence, un peu comme dans la musique arabe aussi, où on s'amuse beaucoup avant de commencer une musique arabe orientale, où on entend beaucoup de toutes sortes de flûtes et de choses comme ça. Alors lorsqu'on finissait de chanter, lorsque les Nevi'im finissaient de chanter le Mizmor, il y avait ensuite une flûte qui était Machlika, qui terminait en solo. Elle faisait en hébreu moderne, on dit Mesalsel. Il fait des silsoulines, il se met. D'accord ? Et comme un solo, quoi. Donc, celui qui. Donc, c'est vrai que je t'ai dit d'apporter 2 jusqu'à 12 flûtes. Ça, c'est pour le tempo général. Ça chante avec douze flûtes. Mais quand on arrive à la fin, que maintenant il faut finir avec l'harmonie, avec le solo harmonieux de la flûte, alors là tu fais qu'une seule flûte, mais Pénèche ou Marlik y a fait, parce que dans ce cas-là, ce sera beaucoup plus réussi et harmonieux. Et c'est tout pour aujourd'hui, je pense que j'en ai plein d'assalakha, kol tov, salam.